Moi, salut tout le monde qui a regardé la vidéo, ça, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour que JPL capable rentrer la KO aujourd'hui en là, pour que nous capables vin partager bon gens, information ensemble avec vous-même. Mesdames et messieurs, débutant de voir ça, ouais, visage ça, c'est Peter son éveillé qui rentre dans la KO. Aujourd'hui, une fois qu'on est que gagné, il y a une bonne nouvelle par rapport avec migrants qui, Mexico, côté que, qui était tout près Rivière Rio, après décision, yon juge fédéral, li fin prend pour que li ordonne ensemble avec gouverneur Texas là, pressé, et bal, yon date fixe pour que li capable retirer tout et barrage que li te mette sous Rivière Rio, hein, qui te empêché que migrants yo capable rentrer là dans la cour États-Unis. Donc mesdames et messieurs, l'aime dit une bonne nouvelle, c'est parce que on connaît et gars de bagarre, mon était passé en pile misère justement pour que yo était capable et traverser. Mais et dernièrement là, m'te dit ça, il y a un pile monde qui pas comprendre ça m'te dit. M'te dit que et gagnant et pendant programme Biden, dans programme parole là, pas avancé, mais en pile monde rentrer États-Unis sous frontière. En entendant qui s'est passé. Ça fait un bon bout de temps, mesdames et messieurs, depuis que nous connaissons le gouverneur Texas, là, qui aurait les Abbott. Monsieur lui-même, lui te mette un gros et barrage sous rivière, là. Côté que, et il te mette que lui te mette au milieu, il te mette non, il pas qu'à avancer sous territoire mexicain. Côté que président mexicain lui-même te fourré bouche dans ça, il te fait avancer le plus près de territoire États-Unis. Maintenant, gagne un juge qui aurait les David Alan Ezra. David Alan Ezra, li prend une ordonnance côté que li mandé ensemble avec gouverneur Texas là. Li bali jusqu'à 15 septembre pour que li capable retirer barrage en ballon que te mette sous rivière là qui te met en séparation. Li dit que après 15 septembre, yo pas doué joindre à ken anyen qui a flotté comme barrière sous rivière. Maintenant, genyen yon organisation que aurait les LULAC. Organisation LULAC, là, qui signifie League of United Latin American Citizens. C'est-à-dire, Ligue des citoyens et latino-américains. Yo même, qui ça que yo fait? Yo non seulement applaudi décision juge Ezra et yo mandé ensemble avec gouverneur Greg Abbott pour le retirer ballon yo pressé sous rivière là. Donc mesdames et messieurs, en entendez bien pour nous comprendre. Décision ça pour que ça me dise son bonne décision parce que li en faveur migrant, li pas en faveur gouverneur. États-Unis, quitte ou t'es président, quitte ou t'es gouverneur, quitte ou t'es officier de justice ou bien auxiliaire de la justice, pis gros chef là, c'est juge fédéral. Parce que, un président qui a pris une décision, un juge fédéral lui coupe décision. Non, ouais, ça, sous président Donald Trump, il y a un pile de décision que Trump prend, juge coupé. Maintenant, les juges l'ont fait by ordonnance li. Et les ordonnances li rentré en exécution. Pas gen en yen que autorité est capable de faire que obéir à décision. Parce que si vous pas obéir à décision, maintenant, ou en a fait directement avec la justice, bagay que en pile nèg pe. Donc, qui vient fait? Jodia, qui c'est 8 septembre, en pile à botte. Les mêmes, pas gagne l'autre choix que passer instruction pour lever ballon yo sous rivière là. Et maintenant, si on décision à bot capable prend, c'est pas sous rivière à la pied. Tenez bien, oui, si on décision capable c'est pas sous rivière pour calier. C'est qui ça le calier? C'est renforcer présence plus militaire pour jour et nuit pour quel que soit migrant qui traverser, yo ka bloqué. Le ça, en qu'un juge pas le dire que le pas gagne droit mettre et soldats sous frontière par là pour est-ce que il était capable joindre ça. Mais Gobay yo dit que Texas pas capable passer de protocole ça
pour installer barrière dans mitan de l'eau internationale. Donc l'OLAC fait connaître que c'est une décision arbitraire et illégale. Dans ce sens, mesdames et messieurs, pour me dire ça. Tenez bien ce m'a dit. Moi j'ai un pile monde qui a écrit qui dans programme Biden. Matin, me répond un compatriote qui veut en bas moi qui dit que il y a 222 jours je crois et puis monsieur dit que comme si monsieur dit bon l'accepter le niveau l'accepter que bandi fait ça au level que n'importe juste ça arriver pour l'homme au bail détail but ou est que son nèg qui très désespéré dans le pays mais qui attend avec programme Biden nan. Mais moi et mes chers amis gien un constat personnel que me fait moi ouais gien un pile monde qui dans programme Biden qui rivé États-Unis pour yo pour j'aimerais le dans programme Biden. Maintenant, sous moi de côté au passé, m'a dit clairement, c'est pas dans programme là venir. Donc, il y aura fourré corps dans le programme et garder pour comment ça ca marcher. En tout cas, mesdames et messieurs, moi-même là pour bonne information, faut qu'on ait comment bagaille yo. Donc, pas oublier, nous même dans GPL, devoir nous c'est informer de tout ça qui a passé dans affaire immigration et dans actualité. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir, moi toujours là pour que nous capable porter bonne nouvelle pour. Bye bye, à la prochaine.